Eh bien, bonsoir. Cette soirée continue. C'est la dernière partie sur les élections départementales et plus spécialement les cantons strasbourgeois. Là, il y a beaucoup de suspense ce soir, Géraldine. Effectivement, Renaud, beaucoup de suspense puisque les écologistes sont présents dans 6 cantons sur 6 au second tour, avec plus ou moins de chances de pouvoir l'emporter ce soir. Ils sont notamment dans 2 cantons face aux socialistes sortants. Alors, c'est donc à Strasbourg que va se dessiner la future opposition dans l'Assemblée départementale. Alors, Caroline, les bureaux de vote, fermés à 20h à Strasbourg. Est-ce que vous avez des résultats même partiels? Alors, ils ne sont, ce que je vais vous dire là ne sont que des résultats partiels, aucun résultat définitif encore. On peut vous parler du canton de Strasbourg 1 où, avec 69% des votes dépouillés seulement, les écologistes arriveraient en tête. Florian Cobrin et Ludivic Quintalé face au binôme d'Union de la droite, Edith Perrotte et Mathieu Zegiato. Strasbourg 2, avec 50% là seulement des bureaux dépouillés, 55,4% des voix en faveur des socialistes, Éric Elkoubi et Martine Young, qui étaient pourtant en ballottage défavorable au soir du premier tour. Strasbourg 3, 69% des bureaux pour leur dépouiller. Rappelez-vous, il y avait 3 voix d'écart seulement après le premier tour entre les sortants et le binôme d'Union de la gauche. Et pour l'heure, ce serait Françoise Bay et Serge Oller, les socialistes qui conserveraient leur fauteuil avec 57,1%. Résultat provisoire. On le rappelle, un mot sur Strasbourg 5. À l'heure qu'il est 52% des bureaux dépouillés, le canton ne basculerait pas. Nicolas Matté, Anne Reymann, qui était également en ballottage défavorable, serait pour l'heure à 57,8% des voix. Merci Caroline, on reviendra vers vous tout à l'heure avec des résultats définitifs. Sur ce plateau, nous rejoint notamment Ludivine Quintalé, bonsoir. Alors évidemment, on est encore sur des résultats provisoires, mais a priori, vous êtes élue ce soir dans le canton de Strasbourg 1 avec Florian Cobrin qui était avec nous en plateau la semaine dernière. Vous seriez en tout cas, le seul duo écolo, on n'a pas tout entendu parce qu'on nous parlait en même temps. Oui, alors voilà, on n'est pas tout à fait sûr. Il y aurait 2 élus écologistes. Il y aurait deux binômes, voilà, une toute petite opposition. Vous faites partie des nouveaux visages qui entrent à la CEA. Effectivement. Mais écoutez, je souhaite... Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Si, absolument. Bien sûr que cela me réjouit énormément. Je tiens à remercier les électeurs de notre canton qui nous ont fait confiance et qui nous ont élus ce soir. Je me réjouis. C'est de la politique ancienne, ça, ce que vous venez de dire. Non, c'est normal. Tous les élus depuis 50 ans. Écoutez, c'est en tout cas normal de remercier les gens qui nous font confiance, à mon sens. Voilà. Alors, vous êtes une militante de base, si je puis dire. Je crois que vous êtes fait connaître pour votre combat contre les barquettes plastiques dans les cantines scolaires. C'est ça un peu l'écologie du quotidien que vous incarnez? Effectivement. Ce combat, je l'ai commencé il y a quelques années, 4 ou 5 ans, quand j'ai découvert la présence de plastique. Derrière ça, c'est toute une alimentation et une restauration collective hyper industrialisée que j'ai remis en cause en débutant à Strasbourg et ensuite au niveau national, puisque un amendement cantine sans plastique a été adopté en 2018. Donc au-delà du plastique, il s'agissait bien d'une alimentation saine pour l'ensemble des enfants à Strasbourg et en France. Un de vos combats pour les collèges, du coup ? Effectivement, l'alimentation, je l'ai à cœur depuis un moment déjà. J'en ai fait mon combat, effectivement, avec les compétences de la CEA, notamment l'alimentation dans les collèges, mais pas que, puisque les établissements pour personnes âgées, dépendantes, personnes handicapées, il y a des cantines dans ces établissements-là. L'alimentation reste très importante, autant pour la santé que pour le bien-être et le bonheur, en fait, de nos concitoyens. C'est un peu la vague verte des municipales qui vous porte ce soir à cette élection. Écoutez, je ne saurais pas le dire. Probablement oui, avec les écologistes qui ont commencé à travailler au sein de notre ville. Voilà, et la satisfaction en tout cas dans notre canton, nous avons pu faire une bonne campagne, Florian Cobrin et moi-même, nous sommes donc très contents. Ceci dit, si je peux me permettre, c'est vrai que dans 2 cantons. Dans 2 cantons sur 6. C'est pas tout Strasbourg. Alors on va y revenir un par un. D'abord, Jean-Philippe Béter, bonsoir. Alors vous, il n'y a pas de suspense, je vais quand même vous demander votre score. On a réalisé avec Anne Tenenbaum 63%.
Donc c'est une marque de confiance et aujourd'hui, il est question de se mettre au travail pour être à la hauteur de cette marque de confiance. Alors par rapport à ces résultats des écologistes, vous qui êtes un opposant farouche, j'allais dire presque virulent à la municipalité écologiste, vous ne leur laissez rien passer hein, depuis le début. Apparemment, il n'y a pas eu de désaveu de la part des électeurs strasbourgeois vis-à-vis de la municipalité. Vous trouvez ? C'est une question. Quand même que, ben, c'est, je pense qu'il y a un an, les écologistes étaient largement en tête à Strasbourg. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, certes, ils ont tous les leviers du pouvoir à la ville de Strasbourg, mais sur 12 élus strasbourgeois au sein du département et de la collectivité européenne d'Alsace, ils sont seulement 4. Je pense que c'est aussi une marque d'inquiétude. De nombreux Strasbourgeois, notamment dans le canton 4, m'ont fait part de cette marque d'inquiétude. Dans le canton 4, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Ah, mais c'est un écoutez, canton c'est historiquement à droite. C'était le canton alors, de Robert Grossmann, d'Yves Le Tallec. Alors vous déjà, vous savez que les cantons ont été agrandis. Donc c'est le canton, effectivement, d'Yves Le Tallec, mais aussi de Robert Herrmann. C'est un canton qui a voté à 55% à gauche lors des municipales. Et un an après, il vote à 63% cette majorité alsacienne de la droite et du centre. Donc oui, il y a un signal d'inquiétude. Et je pense, et ce serait vraiment essentiel, de manière très constructive, que la municipalité de Strasbourg en prenne compte et écoute l'ensemble des Strasbourgeois. Pas seulement ceux qui ont voté pour eux. Et comme ça, on arrivera, pour les 5 prochaines années, à avoir une politique plus constructive. Une question encore sur la légitimité de ces élections. Certains candidats, on l'entendait tout à l'heure, se disaient « mais avec si peu de voix, est-ce que vraiment je suis légitime ?» Vous avez reproché à Jeanne d'Arcéguian d'avoir été élue avec très peu de participation. Oui. C'est encore pire, j'ai envie de dire, pour vous. Oui, c'est juste. Alors, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'on a reproché à Jeanne d'Arcéguian, c'est de faire une politique seulement pour un camp, alors qu'elle a été élue dans un cadre, dans une participation assez faible. Et aujourd'hui, nous-mêmes, au sein de la CEA, on doit avoir conscience de cette baisse de participation pour être à l'écoute, non seulement de ceux qui, historiquement, votent pour nous, mais aussi ceux qui sont restés à la maison et même ceux qui n'ont pas voté pour nous. Et c'est ça, l'enjeu. C'est ne pas être dans cette idéologie, dans un dogmatisme, mais au contraire dans une ouverture d'esprit de manière à correspondre à ces valeurs de l'humanisme rhénan, alsacien, qui permet d'avancer ensemble. On va s'intéresser au canton de Strasbourg 2. Strasbourg 2, c'était le canton tenu par les socialistes, notamment par Éric Kelkoubi. Visiblement, Éric Kelkoubi serait battu d'environ 90 voix, bien qu'on n'ait pas les résultats définitifs. Vous avez des résultats, Caroline ? Ils viennent d'arriver, Renaud, les résultats définitifs concernant Strasbourg 2. Je vous confirme qu'Éric Kelkoubi et Martin Jung sont battus de très, très peu, puisque le binôme de Damien Frémont et Fleur Laronze l'emporte avec 51% des suffrages. Et Damien Frémont est avec nous en duplex du quartier général des écologistes à Strasbourg. Damien Frémont, c'est un scrutin très serré. Quelle est votre réaction ? Alors la première réaction, c'est déjà qu'on va pouvoir avoir un renouveau démocratique sur les quartiers ouest de Strasbourg. Et ça, c'est une grande nouvelle. C'est des citoyens ordinaires qui rentrent à la CEA, des citoyens engagés déjà dans les milieux associatifs notamment. Ça, c'est une grande nouvelle. C'est aussi une autre façon de faire la politique qui arrive. Je pense qu'il y avait un ras-le-bol de l'ancienne politique. Et ça, c'est quelque chose de neuf. On va être de toute façon sur le terrain pendant les 7 prochaines années avec Fleur et oui, on est heureux. Voilà. Et du coup, on va représenter les quartiers ouest de Strasbourg. Les quartiers ouest, c'est tous les quartiers ouest. Donc, c'est à la fois les eaux, c'est à la fois Montagne Verte, c'est à la fois Königshofen, c'est la laiterie, c'est les Halles, c'est le quartier gare. Et voilà, c'est ça la grande nouvelle ce soir. Il y a de l'ambiance chez vous. Vous avez peut-être entendu Jean-Philippe Véter sur ce plateau qui avait l'air de minimiser vos résultats en disant 4 élus sur les 12 possibles à Strasbourg. C'était pas terrible, en fait. C'est ce qu'il a dit. Hein. Bah, c'est pas une performance. Je vais me charger de les maximiser, du coup. ce que je vois surtout, c'est que la gauche et les écologistes ont bien progressé, puisqu'ils étaient présents sur les 6 cantons de Strasbourg, avec des combats qui ont été difficiles. Il n'y a certes que 2 cantons qui passent aux mains des écologistes et du Rassemblement de la gauche, mais je rappelle que sur les 6 cantons, on était présents, y compris dans le canton de M. Véter, et que M. Véter a remporté ce soir, avec sa binôme, évidemment. Et voilà, il y a une large progression, et la grande nouvelle, c'est que ce soir, les écologistes rentrent à la CEA, et ils sont porteurs
des combats écologistes, mais aussi de plus de justice sociale et d'un renouveau démocratique, de plus de part pour la décision de la part des citoyens, de plus de participation. Voilà. Merci Damien Frémont. Merci, on vous rend à vos militants et à la fiesta ce soir chez vous. Voilà, Serge Lher, bonsoir, vous avez rejoint également. Alors, candidat PS sortant, canton de Strasbourg 3, a priori vous êtes conforté. A priori, vous attendez. Voilà. Je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire Damien Frémont. Il dit nous, on est des citoyens ordinaires. Oui, j'ai entendu cela. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous aussi, enfin, j'ai pas l'impression d'être un citoyen extraordinaire. Je suis un citoyen qui travaille pour les habitants et j'ai toujours été là avec passion pour les défendre et pour défendre nos quartiers. Maintenant, j'avouerai que pour moi, le plus important va être dans ce mandat de travailler pour la jeunesse, parce que c'est clair qu'on a un sacré problème, ne serait-ce que politiquement. Quand on voit le taux d'abstention dans la jeunesse, c'est catastrophique. Donc il va falloir les motiver et construire avec eux cette nouvelle société. Et puis, moi, tout doucement, c'est aussi pour dire il faut passer le relais, quoi. C'est la jeunesse qui doit construire. Ah, visiblement, la jeunesse, elle frémit citoyens. Plus du côté des écolos qu'au Parti Socialiste. Alors, pardon ? La jeunesse a l'air de frémir davantage au niveau des écologistes que du Parti Socialiste. C'est culturel, c'est des questions de génération ? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que j'avais beaucoup de jeunes autour de moi. Et dans les quartiers, c'est très jeune, hein, que ce soit Haute-Pierre ou Cronenbourg. Et non, ce n'était pas la question qui se posait. Non, ils avaient vraiment envie que je gagne. Et la preuve, le résultat en est là. Mais et puis avec Françoise, on sait les entendre, on sait les écouter. Et on essaie de construire ensemble. Ludivine Quintalé, effectivement... Quintalé, excusez-moi. comme l'a dit Damien Frémont, qu'est-ce que ça veut dire une personne, un élu ordinaire, un candidat ordinaire? Peut-être un élu qui soit plus proche des habitants et puis un élu qui est issu de ce renouveau qu'on porte, c'est-à-dire de nouveaux visages, des personnes qui ont un pied dans la vie professionnelle et qui seront en même temps élues. Donc je pense que ce que Damien nous dit ce soir, voilà, c'est des personnes qui ont une vie, on va dire, plus proche des habitants et qui ne sont pas des professionnels de la politique qui siègent au conseil départemental depuis de nombreux mandats. Parce qu'on est élu depuis de nombreux mandats, vous croyez que c'est être professionnel de la politique? Excusez-moi, si on est réélu, c'est parce que les gens apprécient, les citoyens apprécient le travail qu'on a mené depuis... Maintenant, c'est vrai que je suis élu depuis 98, mais certainement qu'ils apprécient le travail que je mène au quotidien auprès des habitants. Et croyez-moi, je suis un élu ordinaire, comme les Jean-Philippe, comme on l'est tous. On essaye de se battre. Notre mission, c'est essayer de se battre pour le bien des habitants. C'est pas compliqué. Hein. Oui. Jean-Philippe Véter, le citoyen ordinaire, bon, il se lève discours, le matin, il va au boulot. Le discours anti-élu, on y a droit chaque fois qu'il y a des nouvelles ouais. personnes qui arrivent. On l'a eu lors de l'élection d'Emmanuel Macron avec des députés qui étaient des gens ordinaires. Et puis maintenant avec les Verts. Et je salue évidemment leur action quand elle va dans le bon sens. Ça, c'est pas le débat. Mais je pense, enfin moi je ne fais pas trop de caricature anti-élu. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je vois des élus travailler matin, midi et soir, notamment dans les petites communes, pour 0 € par mois, passer un temps dingue à toquer aux portes, faire du porte-à-porte, écouter les problèmes, résoudre, monter au créneau pour essayer d'aider parfois des parfaits inconnus, je dirais même être le piston de ceux qui n'en ont jamais. Et donc, je pense que ces élus-là, je salue leur action. Des fois, il y en a évidemment, comme dans toutes les strates de la population, il y en a des moins bons, mais beaucoup d'entre eux se battent et c'est parfois difficile d'être présent bien. Quotidiennement. Jean-Philippe Véter, on retourne au QG des Verts, puisque Anne-Laure Marie est en compagnie de Jeanne Barzéguian, la maire de Strasbourg. Tout à fait, je suis au quartier général des Verts. Ici, deux cantons de Strasbourg sont tombés du côté écologiste ce soir. Je suis avec la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian. Bonsoir. Bonsoir. Alors, deux cantons qui basculent écologistes ce soir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement ou on aurait encore voulu mieux que ça?
C'est une excellente nouvelle. Pour moi, ce scrutin, c'était un peu la reconquête de l'écologie à la CEA et aussi à la région Grand Est. On n'avait pas d'élus jusque-là. Deux cantons strasbourgeois et donc deux binômes qui vont être élus. Quatre élus départementaux, quatre élus d'Alsace. Et je crois que ça va changer la tonalité des débats. Donc je me réjouis. Et puis c'est aussi des élus au Conseil régional du Grand Est. Et c'est absolument majeur pour pousser les politiques dans le domaine de la mobilité ou de la transition écologique. Donc je suis vraiment très heureuse. Ce sont des élus que vous avez soutenus tout au long de cette campagne. Finalement, vous ne vous en cachiez pas. Et donc, c'est aussi un petit peu une victoire pour vous ce soir, finalement, une victoire de l'écologie. La logique, c'était pas d'être dans la concentration des pouvoirs ou dans le cumul des mandats, mais plutôt d'être dans une logique très ouverte, comme on l'a été aux campagnes municipales. Et je pense que le fait que ces cantons aient basculé, le fait qu'on ait obtenu de si bons scores face à des élus pourtant sortants, ça montre en fait cette envie de renouvellement, ça montre que ces nouveaux visages, voilà, on m'a dit « Ah oui, mais c'est des candidats, ils sont pas connus. » Bah oui, mais ils incarnent la société qui évolue et ils incarnent cette aspiration au renouveau. Et aussi cette ouverture écologiste et citoyenne, c'est pas forcément des personnes encartées ou alors c'est des personnes issues de diverses formations politiques. Donc je crois que c'est tout cela que traduit ce scrutin. Merci beaucoup Jeanne Barseguian. Voilà, donc c'est ici quand même beaucoup de joie au quartier général des Verts. Oui, merci beaucoup Anne-Laure et on va revenir vers vous Caroline, vous avez les résultats définitifs de ces cantons strasbourgeois. Oui, ça y est, tous les résultats sont confirmés et il y a ce soir dans deux cantons strasbourgeois qui basculent aux mains des écologistes, le canton de Strasbourg 1 remporté avec 56,1% des voix par Florian Cobrine et Ludivine Quintalé. Strasbourg 2 également, Éric Alcoubi et Martine Jung battus ce soir de peu, mais ils laissent leur siège puisque Damien Frémont et Fleur Larronce l'emporte avec près de 51% des voix. Sur le canton de Strasbourg 3, Françoise B et Serge Lerre, les socialistes, conservent leur fauteuil avec 56% des suffrages. Le canton de Strasbourg 4 reste à droite, confirmation que Jean-Philippe Véter et Anne Tannenbaum gardent leur fauteuil avec 63,4% des suffrages face au binôme d'Union de la gauche et des écologistes. Le canton de Strasbourg 5, lui, ne bascule finalement pas. Nicolas Matt et Anne Reimann, qui étaient en ballotage défavorable avant ce second tour, remportent le duel avec 58,5% des voix. Et enfin, le canton 6 sans difficulté, Pascal Jourdan-Pfeiffer et Jean-Philippe Maurer conservent le canton. Ils sont réélus ce soir avec près de 58% des voix. Très vite, Jean-Philippe Véter, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y a quand même un élément qu'il faut souligner ce soir. Il y a une élue communiste qui rentre à la CEA, c'est le binôme de Damien Frémont. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben, je pense que nous défendons des valeurs différentes. On est vraiment dans cette perspective de l'humanisme rhénan, de la droite et du centre, du droit, mais aussi des devoirs, de la responsabilité. Et effectivement, ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs que celles du Parti communiste. À suivre. Merci. On va vite rapidement retrouver Grégory Fraise. Bonsoir Grégory, vous nous faites un point, vous êtes au siège de la CEA, un point sur ces nouveaux binômes qui vont entourer Frédéric Bierry à partir de jeudi. Écoutez, ce qu'on peut dire, Géraldine, c'est que ce soir, c'est le statu quo. L'Alsace, terre de centre-droit, n'a pas changé de visage politique, puisque partout ou presque, les sortants ont été reconduits et le bleu colore l'immense majorité des 40 cantons de l'Alsace. 40 cantons pour 80 sièges. 72 seront occupés par des élus qui soutiennent la majorité alsacienne et son président Frédéric Bierry. L'opposition confidentielle, ce sera Bischwiller qui a tourné au vert ce soir. Et puis, ces trois cantons strasbourgeois tenus par la gauche où le vert a simplement remplacé le rose dans deux d'entre eux. Voilà, on dirait qu'en ces temps de crise, les Alsaciens qui ont voté ont choisi la stabilité. Merci Grégory Fraise. Peut-être un mot également, Serge Lerre, très rapidement, une élue communiste.
ça va être la nouvelle gauche à vos côtés ? Oui, ce n'est pas un souci. Mais je suis assez surpris parce que les régionales ont pris un temps fou déjà le dimanche dernier. Les départementales, c'est aussi un peu ce qui peut expliquer une abstention. Pas de profession de foi. On parlait très peu des départementales, alors que les départementales sont certainement plus au quotidien des habitants que les régionales. Je rappelle que les régionales, c'est des listes proportionnelles. On ne connaît pas toujours son élu régional. Son élu cantonal, on le connaît certainement plus. Voilà, bon. Pas le départemental. Bien, écoutez, c'est un peu dommage. Je suis obligée de vous couper. En tout cas, merci à tous pour votre participation. C'est la fin de cette soirée électorale sur France 3. Merci à tous. Merci Renaud. Merci à nous avoir suivis. La rédaction reviendra bien sûr demain sur tous ces résultats dans nos éditions de midi et 19h et bien sûr sur Internet. Excellente soirée à tous. À bientôt sur France 3.